Enabis, c'est Société Nationale de Pacte Industriel, nous n'avons pas de prince là. Et Sonabia, son pacte industriel, nous avons de l'État haïtien, financé à 100%. Je vous dis, nous avons un building, c'est-à-dire un immeuble, vous avez dit, c'est un carotte plus 100 mètres carrés. Parce que nous avons un carotte, c'est 12 900 mètres carrés. C'est 1 carotte plus 100 mètres carrés et c'est ça, c'est 1 hectare plus 3000 mètres carrés que nous campons là-dedans, qui va couvrir un seul coup pour nous créer un job dans notre pays. Moi, tout le monde qui a regardé, qui a attendu, pour comprendre que pas un pays sur la terre qui a parlé du développement là-dedans, si pas une création d'emplois. Nous connaissons pire haïtien parfois qui parlait de qualité d'emploi. Mais j'aime toujours dire par les générations spontanées, si nous avons besoin d'un pays meilleur dans 25 ans, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Dans le côté nous, dans son Sonabia, nous voulons parler du secteur textile là, son passage obligé que nous avons pays aujourd'hui, avec volume de jeunes que nous avons. Nous qui ont des formations, nous connaissons ça, qui ne permettent que les jeunes des emplois qui allaient dans l'autre niveau. En attendant, nous sommes créés travailler. C'est pour ça que je vous dis, nous-mêmes, jusqu'à moi, mars 2018, là, nous campons derrière le secteur textile pour nous profiter de loi Help Hope que les États-Unis donnent, qui permettent que nous exporter aux États-Unis sans droit de douane. Ça veut dire, les entreprises diminuent dans le pays. Ils décident pour créer 10 000 emplois, nous-mêmes, c'est tapis rouge pour nous. Les poulies. Et nous avons 10 ans, nous voulons parler de syndicats. Parce que pas de usine sans syndicat, pas de usine sans ouvrier, mais pas de usine sans patron. Ça veut dire patron, on vient à Kobla. L'État qui joue le régulateur, ou même syndicat, cap gardé, cap tandem, même syndicat, m'a dit, et c'est ensemble pour nous collaborer. Ministre Affaires sociales, là, qui l'a. Directeur général Sonabia, ministre commerce qu'il a, premier ministre, moi-même qui président, directeur au Fatma, nous ensemble, c'est pour nous arriver à Chita parler, pour nous toujours jouer un bon terrain d'entente pour permettre et ouvrir au content, et syndicat jouer au rôle, et l'État haïtien protéger force travail ouvrier. Mais ça va dans l'île, dans le monde, nous sommes venus pour craser, briser. Nous sommes venus pour la factory chaque jour. Parce que ça paye à boucaper. Image chaque semaine, son grève à droite, son grève à gauche là, Haïti n'a pas mérité ça encore. Côté nous, il veut vous dire, nous avons besoin au pays, côté pour attitude, nous avons travaillé dans l'État. Attitude, nous avons travaillé dans le secteur privé. Il faut attitude changer. Attitude syndicale. Attitude patron. C'est nous tout ensemble, l'attitude de l'État, pour nous changer, pour nous garder un pays meilleur. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous travaillons, c'est pour ça que nous permettons son habit, faire gros miracle ça, nous avons construit gros building ça. Et c'est pas seul ça, le problème. Oublier, nous sommes capables de garder les chiffres, ça c'est 13 000 mètres carrés. Nous pouvons plus passer 86 000 mètres carrés de building qui pourraient construire dans un an qui vient. Ça veut dire d'ici 2019, là, nous faisons, si nous faisons un calcul, là, ça, c'est 13 000 mètres carrés. On a divisé 86 par 13, on a combien de buildings qui ont un impact qui est gros sur ça. C'est pour nous dire aujourd'hui, nous avons un groupe de femmes qui sont dans notre pays qui décident de travailler pour nous, qui décident de travailler ensemble avec nous, qui décident de travailler pour retirer le pays dans la situation liée. Parce que ce n'est pas un honneur pour nous. De tous côtés, tout le monde décide pour parler pays à mal. Image Haïti, c'est ça qui me suppose concerner. La presse, secteur privé, société civile, parti politique, l'église, tout le monde ensemble, paysans, ouvriers, nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous changer l'image pays à ensemble. Parce que Haïti, nous revenons tout le temps. Ce n'est pas personne dehors qui vient construire le monde. C'est nous-mêmes ici qui pouvons faire. Que ou de l'opposition, que ou dans le pouvoir, nous toutes formes de tête ensemble parce que nous avons besoin d'électricité produite. Si pas un bon positif, pas un bon négatif. Si vous avez seul positif là, vous ne pouvez pas produire. Si vous avez seul négatif là, vous ne pouvez pas produire tout.
Haïti nous ne pas mettre le pays en négatif seulement. Faut nous garder vers à moitié rempli, mais faut nous garder tout le temps à moitié vide. Parce que pays ça, c'est pays pas pour nous défendre. Là, il y a un problème, on met tête ensemble. Vous affaire qui toujours parler chaque année. Vous affaire salaire minimum. Je prends responsabilité comme président pour me parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas salaire minimum qui peut venir faire toute facture dans le pays à craser. Non. C'est pour le syndicat Chita avec le ministère des Affaires sociales qui gagne un conseil supérieur salaire. Pour Chita, depuis le mois de mars, syndicat, conseil supérieur salaire, patron, pour nous jouer une solution, pour ne pas obliger à craser briser. Parce que nous avons craser briser, nous avons ça instabilité. Et instabilité, ça le porte pour misère. Si nous avons besoin d'un pays pour nous mettre sous route changement tout le monde, c'est la stabilité politique, c'est ça pour nous créer. Qui j'aime de dire dans la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. Bien ça, il faut nous protéger. Bien ça, ça va être pour nous marcher. Parce que moi-même, je dis, nous avons gagné 13 mois depuis le président. Nous voyons comment que le temps passe vite. Ça veut dire, non, 3 ans, 12 mois, ce n'est pas mon cap encore. Sur l'autre président. C'est-à-dire, si sur l'autre président, il faut nous commencer à construire ensemble. J'en dis, m'a quitté 4000 km pour asphalte dans le pays, mais signé d'elle. Haïti a bien 4000 km pour asphalte au 7 février 2022. Haïti, dans 16 mois, a bien couru 24 sur 24. Nous, qui avons gardé l'électrique dans le pays, nous tous avons respecté la loi. Parce que ANACE, qui c'est l'autorité nationale de régulateur du secteur de l'énergie, la travail de 101 communes qui ont un appel à manifestation d'intérêt qui fait pour eux déjà. Il y a 45 communes qui étaient, y compris zone métropolitaine. D'ici semaine, il y a un appel à manifestation d'intérêt, grande ville par le souci. Je encourage tout le monde qui est intéressé à produire l'énergie électrique, à produire courant dans le pays, à distribuer le courant, à toucher tout, parce que nous pouvons faire commercial la vie démocratique. N'importe qui monde qui a connaissance dans les affaires contre le PPE, ou le doit venir pour venir participer dans l'appel à manifestation d'intérêt. Parce que c'est l'inverse qui va le faire. C'était EDH qui a financé le monde qui a consommé courant, je dis à l'inverse. Le monde qui a consommé courant, on va l'obliger à financer tête paille. Ça veut dire que c'est même la téléphone, courant pour le faire nos formes, l'or du cobre, on va acheter courant et pour comment vous gérer courant. Parce que l'État bouqué, l'État n'a pas continuer à dépenser 250 millions de dollars chaque année pour financer le courant. Parce que nous disons, Haïti a un soleil, il y a un gros, il y a un vent. L'État prend décision pour que trois sources d'énergie, ça, matrice énergétique, ça, l'État, c'est le même que l'État va l'exploiter pour lui. Pour le monde, on même ouvrir pour du courant avec une autre source, une autre matrice énergétique pour vendre. Mais l'État va le concentrer sur la production courant avec l'eau, sur la production courant avec soleil, sur la production courant avec sous 572 sections communales du pays d'Haïti. Je dis encore, qu'il y a des têtes nous frappent. Je demande au ministre des Affaires sociales, comme ça m'avait. Premier ministre, pour lui donner instruction tout de suite pour une rencontre qui fait que plus au niveau de l'État, sous affaires salaire minimum depuis semaine ça, pour ça a commencé à parler. Pour commencer à parler dans la radio, tout le monde doit parler pour salaire minimum, parler dans le gouvernement, parler dans la société, pour ce pas. Pour seul jour, un grand monde décide de dire que c'est le pays. Ça, nous ne sommes pas capables encore. Haïti bouquet. Et ouais, nous-mêmes, l'État, c'est pour nous mettre l'ordre. Et nous dire, nous ne sommes pas d'accord, personne ne vient gazer le pays dans le pays. Ça veut dire tout le monde doit respecter la loi. Et nous-mêmes, le rôle par nous, c'est pour nous faire respecter la loi. Parce que le président de la République, chef de l'État, nous sommes le garant de la bonne marche des institutions. Il faut que toute institution dans le pays marche droit. Parce que pas un pays sous la tête développé. Et puis pour marcher, pour sucer droite pour marcher sur le pays à développer. Côté droit pour finir, c'est là par l'autre pour commencer. Chaque monde supposé respecter droit en l'autre. Situation qui existait dans le niveau pédanal et en sapitre, côté gagner une tension qui a bouilli depuis tantôt une semaine. Et qui affecte en pile compatriotes nous haïtiens qui soit à vivre ou soit cap travail qui traverser le travail dans Pédanal en République Dominicaine. Nous connaissons la situation ça a commencé à partir de un meurtre qui était fait là-bas côté gain deux monde deux dominicains que tué et dit attribué
crime ça à haïtien. Et on parlait de yon ou de deux haïtiens qui étaient commettre crime ça. Et jusqu'à présent, nous mettons au conditionnel parce que personne n'est pas coupable tant que vous pas jugé ni trouvé que vous-même c'est vous qui vrai auteur. Donc, le crime ça a fini fait, le monde a fini mourir, Dominique fait des propagandes anti-haïtiens. Côté vous-même, vous dit que vous demandez pour tout haïtien qui l'a dans un an pour quitter le pays, hein, pour chasser. Et c'est qui soit à vivre dans la zone de Pédanal ou gagner un pile qui chaque jour traverse les frontières et le travail pour retourner à la caille l'après-midi. Donc, parce que nous connaissons deux villes frontalières, ça y est, à côté de l'autre, donc il y a un va-et-vient constant qui fait entre deux pays, hein, par population de pays. Hein. Donc, ils ont fait des propagandes à travers les rues, là, avec mégaphone pour dire qu'ils ont demandé tout haïtien pour payer, ils ont demandé l'ultimatum. Ils ont dit si on va aller, donc, ils ont fait représailles sur eux-mêmes. Et parce qu'ils ont voulu que mon dit qui était soi-disant dit c'est eux qui commettent le crime, il faut le remettre à l'autorité dominicaine. Donc, étant donné que il n'y a pas de joint satisfaction. Donc, c'est ainsi que vous commencez à pourchasser haïtiens. Vous dites que vous faites des mauvais traitements, gagnez des persécutions, courriers, dans ça, vous jouez. Il y a des gens qui parlent même que des gens qui ont tué des haïtiens qui ont mouru. Jusqu'à présent, on a dit que nous n'avons pas gagné aucune preuve que gagne haïtien qui mourit. Pas dit pas gagné, mais nous pouvons gagner preuve parce que faut dire que c'est une situation qui est très difficile côté tout haïtien a couru quitter là-bas et a traversé frontière retourner en Haïti. Donc ça pas permettre que nous gagnions moyen de vérifier information que gagnent des haïtiens qui victimes le bon de la part de dominicains. Une fois qu'on apprend ça au niveau des affaires étrangères, on a communiqué avec nos diplomates en République dominicaine, la chargée d'affaires d'Haïti à Santo Domingo et consul d'Haïti à Barona. Nous faisons dire qu'il y a quelques mois, nous avons installé au niveau de Pédanal une antenne consulaire. Une antenne consulaire, ce n'est pas un consulat, mais c'est un agent consulaire. Il y a un diplomate que nous détachons du consulat d'Haïti au Barona, que nous voyons chaque semaine à la Pédanal pour capable assister à Haïtiens, pour capable surveiller le flux de migrants entre Haïti et la République dominicaine et toute l'autre situation. Donc, nous avons toute instance à eux qui était là-bas sur place pour aller faire investigation, pour capable connaître ce qui est fait. Pour prendre des mesures pour garantir la sécurité et la vie de nos compatriotes, de citoyens haïtiens qui vivent dans la zone. À partir de là, le gouvernement dominicain a dépêché un renfort de militaires pour capable calmer la situation, calmer la tension, qui en fait permettre que la tension ait baissé, un calme apparent, qu'a dit apparent, parce qu'on ne connaît vraiment qui le, si la situation s'est telle qu'elle aussi l'a changé encore. Donc, c'est ça nous apprend que tu as gagné une unité de la des forces armées dominicaines qui ont été voyées dans la zone pédanale pour assurer sécurité. Et bon, nous-mêmes, nous, pas jour ni jour d'hier, nous disons que la situation est calme. Au niveau de Pédanal, dans ce qui a fait aux haïtiens. Mais par contre, au bas de haïtien dans la zone, tout haïtien était déjà quitté, ou soit il a caché quoi de côté, nous ne connaissons pas si il a quitté dans l'autre ville qui est plus clément pour eux, qui est plus facile pour eux. Mais à cause de pas de haïtien, peut-être c'est ça qui fait la situation calme. Et au niveau de frontière, là, pas de va-et-vient qui compte faire, va-et-vient habituel que compte faire, parce que nous disons, sans zone côté, le monde toujours est traversé, si on a l'école en République dans le sud-est, là, te disons que effectivement pas gagné même qu'à aller encore en République dominicaine pour l'instant à cause de situation ça. Mais en même temps, dans situation au niveau de l'ensapit qui a développé, parce que tout le monde sait que retourner, c'est un sapit qui est replié et il n'a pas
préparé pour recevoir afflux de quantité de monde ça. Donc son crise au carré de ça qui gagne plusieurs aspects, il y a aspect diplomatique, il y a aspect humanitaire tout. Sur le côté diplomatique, moi-même de parler de mon entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères dominicain, côté nous faire part de préoccupations, nous demander que pour capable prendre toutes les mesures nécessaires pour capable faire en sorte que les haïtiens qui vivent dans le monde, ils respectent les droits, ils ne doivent pas violer, et surtout vivre pour menacer bien sous vie, pour être capable de faire en sorte que garantir vie. L'ITBAM garantit que le gouvernement a fait tout moyen possible pour que ça respecte vie, monde respecté et droit ou pas violé. Et nous toujours étant en communication avec eux, m'a dit nous tout que le président sous question et le président Moïse va marquer par le même type de message ça a pour respecter les droits des Haïtiens et pour droit ou pas violé. Et en même temps, le président a demandé tout pour que toute mesure prenne pour que les relations entre les deux pays soient stables, harmonisées et que nous n'ayons pas ce genre de situation ça, qui est assez dangereux dans les relations entre nos deux pays. Puisque nous avons une situation, non seulement haïtiens qui vivent là-bas, qui ont un stress, qui ont une pression, qui peut pour vivre, qui peut par rapport à l'humiliation, j'ai traité au rebord. Alors, de concert avec le représentant diplomatique qui dans la République dominicaine, ministère haïtien vivant à l'étranger, a regardé qui j'ai par rapport à des groupes déjà d'haïtiens, des comités de communautés haïtiennes dans le bord, qui j'ai. Nous rentrer en contact avec eux, essayer supporter, aider peut-être les gens qui dans zone pédernale, ça qui cabaye abri logement plutôt nous aider. Alors c'est dialogue ça que nous fait avec communauté haïtienne qui est en République dominicaine. Mais vinn gen lòt souci à tout bon côté pa nou an sapit ça qui te traversé déjà haïtien qui vini qui retournait la caillou parce que yo pas senti que en sécurité en République dominicaine et actuellement en sapit qui pas parler si nous dit pour te joindre afflux de monde ça yo si me pas trompé le délégué a dit que nous gagne environ 250 familles déjà qui vini et premier ça ouais c'est quitter toute bagarre parce que la vie est plus important. Alors ministère affaires sociales avec bras technique qui c'est ONM nous essayer rapidement porter en secours on dit d'urgence by famille haïtienne ça qui pourquoi ça vraiment parce que nous connaissons faut que nous aménager logement faut que nous garder qui gens pour nous accueillir pour nous bailler un accueil digne parce que déjà ils sentir humilié pour nous venir là c'est vraiment pour nous bailler un bon encadrement d'accueil et qu'on gouvernement rapidement matin sous instruction président république le président Jovenel Moïse pour le ministre a fait en convocation à l'extraordinaire sous commission pour former une commission rapide et à rapide à rencontrer les élus locaux, délégués, députés, magistrats, tout le monde qui est dans la zone pour nous chita, pour nous parler. Et ça qui est important pour nous, c'est qui gens nous a bien recevoir, qui sa gouvernement a fait en urgence parce que son situation, il y a un grand monde, il y a un petit monde, il y a une femme enceinte, il y a toute une population qui est vulnérable pour nous faire un meilleur accueil pour eux. We'll be right back.
Monseigneur Max avec Fidelio de cœur et d'esprit. Qui fait, nous avons fait dire qu'on ne peut pas ici regarder là, et puis ça qui est blessé, ça a tiré, c'est parce que par rapport, pas de travail à pays. Nous avons du travail, et puis nous avons rien, et nous avons mis dans les noms. Et puis il y a pas même temps de 24% et puis tout. Il y a couru dans des lignes motos à passer, mais c'est haïtien à bousquer pour y trouver. Depuis il y a joué dans le haïtien à trouver. Quand il y a moi-même, moi-même pas fin comprendre mon courir sorti. Et puis quand il y a cabine en moto, il faut plus voir une moto, j'étais réel au couteau sombre pour la piquer. Son bon poil qu'ils ont mis marine, et puis il y a bap, il y a pour la toute petite là, il y a vraiment dedans. Mais Marie, moi-même, tu es dans la rue qui t'a pris un mauvais coup, mais il n'y a pas de tatouille, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas même parler, il n'y a pas de parler. On y a les contrôles, il y a encore beaucoup de têtes, il y a un GP. Il n'y a pas de bonnes côtés, il y a un GP, c'est petit. Et bien, moi-même, c'est bon Dieu qui va me laver, c'est bon Dieu aussi à mon petit. Ça fait, moi-même, moi, à tout ça, c'est parce que je n'ai pas joué de travail dans le pays. Mais moi-même, fils, si je joue un travail, je ne vais pas avoir sauté pour rien. Parce que depuis que je suis mon système qui est pas là, et pas système pour mon intérêt. Moi, c'était un jour où j'ai déjà annoncé que j'étais mort. Mais bon Dieu, je ne suis pas mort. C'est parce que j'ai travaillé avec le colonel Léopard. Mais si je n'ai pas travaillé avec le colonel Léopard, je suis mort quand même. Dans le moment ça, j'ai passé avec manchette, avec rage, j'ai couru des mondes devant moi. Moi-même, j'ai couru en train de bagaille, c'est peut-être ça, je n'ai pas tué. Mais moi-même, j'ai été sauvé parce que j'ai travaillé avec le colonel. Et je dis à la, c'est mon Dieu qui mène me tourner. Et moi, c'est John Yetchen. Pour ça, je suis venu à lundi, 10h, environ 11h, dans mes 12 Dominicains à manchette. C'est mon Dieu qui prend dans mes temps. Et bon l'autre haïtien encore, qui n'est pas prêt, on manchette, on est en train de donner. Bon l'autre dame, on court derrière, on commence à battre les manchettes. Dominique, on a été marqué haïtien lundi, en pile haïtien blessé, en pile haïtien mouru. Ça veut dire même que vous avez dit, nous n'avons pas de monde qui mourit, nous n'avons pas de monde qui est blessé, c'est menti. En pile haïtien lundi, Dominique, on a marqué, on a battu, il faut. Non mais Dominique, on a blessé, on a blessé, parce que je suis intelligent, je suis gourmé. En bas de manchette, je suis en train de maquette, ils ont arabe et puis ils ferment parce que je suis acheté dans la main. Je travaille dans l'organisation, ils reconnaissent. Mais le jour ça, c'est mon Dieu qui me dit que je Dominicain, ça a été haïtien dans lundi. J'avais dit, et je suis nous-mêmes qui viennent là, jeudi, jeudi, pour nous dire un mot, pour nous dire un bagaille. Avec bagaille, ça, Dominique a fait nous chaque moment, les fêtes, les fouettes, et puis ils ont recommencé à maquaquer nous. Ça veut dire ça, nous avons fini. D'abord nous disons un mot dans la bagaille ça. Nous avons déjà instruction que le président a passé au premier ministre là, pour faire une commission pour tout ministère mettre collé pour nous supporter les haïtiens qui sont en difficulté. Même si là nous parlons au ministre finance là, il est intéressé tout. Même si là nous parlons au ministre de la santé publique là, il est intéressé. Même si là nous parlons l'autre ministre commerce qui là, tout le monde est intéressé. Mais nous connaissons la situation d'urgence. Première urgence, là, c'est pour nous faire une action sociale. C'est pour ça, rapidement, nous dépêchons depuis bien avant de venir. Nous te chita avec des députés alimentaires pour nous manger. Parce que nous connaissons la première urgence au monde. Mais pour grand goût, pour pas de bail hygiénique, ça sont pour bail humilié. C'est la première urgence que nous devons faire. Et nous te déplacer tout pour nous garder. Pour nous évaluer combien de monde qui gagne. Parce que ce n'est pas pour être mangé à Pounier qui va soulager nos aujourd'hui. Mais pour nous garder qui j'en, pour nous joindre moyen, parce que nous connaissons, il y a des gens là, c'est pour le pays d'Haïti. C'est là le fait que nous avons une famille. Qui j'en pour nous battre en support pour permettre de nous retourner à la caille. Et Pounier, le gouvernement, Jean-Ministre Théréadil, a travaillé et a chita. Parce que c'est un seul pays lié. Mais nous séparer par nos frontières, ça veut dire qu'il faut nous cachita, dialoguer avec voisins, tête fouette, pour nous protéger non seulement haïtiens qui l'autre bord, qui peut-être dans la même situation que nous vivons en difficulté, mais c'est tout à fait ça le fait dans tête fouette
sans que pas gagne émotion, pas gagne aucune sensation qu'a fait ministre justice dans les comptes de vol, les comptes de droit pour protéger et encadrer tout haïtien non seulement qu'a vivre en Haïti et si bon problème que bon haïtien gagne en terre étrangère, c'est nous même gouvernement qui pour encadrer. N'a dit que comme le ministre nous sortir, la prendre en charge, la permettre que nous gagne manger pendant toute une semaine, pendant toutes deux semaines et il va faire tout ça qui gagne. Le ministre a déjà dit, nous allons dire, mais ça va faire tout ça gagne. Le premier ministre parle avec moi sur ça matin, le président Jovenel parle avec moi ça, il va faire tout ça gagne. Si il y a des gens qui gagnent, nous connaissons des gens qui sont sortis de Gosier, sur la région frontalière, il y a des gens qui sont sortis de Gosier, il y a des gens qui sont sortis de Bézance, il y a des gens qui sont sortis dans l'autre département, nous allons permettre que vous voyez les moyens pour nous capables de déplacer pour la gare. Nous allons retourner dans la République dominicaine et le magistrat va être formé avec la police, avec Simon, avec Hugo, pour personne ne pas traverser les frontières, parce que si on traverse les frontières, c'est pour bien. Si l'on traverse Kounia là, parce que des gens qui retournent à chercher les bagages, ils battent et tuent. Sur instruction président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, chef gouvernement, docteur Jacques-Guy Lafontaine, nous-mêmes, ministres de la Justice, des Affaires Sociales, des Affaires Étrangères, AI, ministre des Sports et directeur général. Évidemment, nous, tant que tout le monde, le gouvernement attendait tout ça qui s'est passé. Je dis à deux approches. Premièrement, nous venons sur le plan humanitaire. Nous avons des frères, des sœurs, des haïtiens, haïtiennes qui sont en difficulté. Nous venons garder et comment au mieux nous sommes capables d'appuyer. C'est ça que nous venons garder là. Et c'est ça que le ministre des Affaires Sociales se dit là. C'est ça ONM, engagement ça, l'administration Moïse Lafontaine, c'est engagement ça que nous venons prendre là aujourd'hui. Et d'autre part, et c'est là qu'il m'a dit qui est plus important, sur le plan diplomatique, côté ministre des Affaires étrangères, là, ministre AIA, a travaillé avec l'autorité dominicaine pour le plus vite possible, pour la sérénité rétablie, pour que tous deux peuples apprennent à vivre en frère et soeur, tant que Jean Sakonye. Sur le plan juridique, il y a des dispositions qui prennent tout et me garantit que les droits haïtiens, que vous vivez en Haïti, que vous vivez en terre étrangère, doivent être respectés. Donc, c'est message ça que nous avons gagné dans nos chefs gouvernement, dans nos présidents de la République. Là, c'est mission ça que nous avons gagné pour nous devenir garder aujourd'hui en chapitre. Sous la pratique nous en Haïti. Et le ministre Dominique Sa a déclaré qu'il y a 80% de la population haïtienne qui est même c'est avec l'eau latrine qui a servi. C'est une déclaration regrettable, mais au niveau de l'État, puisque son ministre dominicain, ça a rapport avec l'État dominicain, nous même tout comme l'État d'Haïti. Nous gagnons soit pour apprécier ça, soit pour nous regarder sur ça. Et en particulier, les collègues députés qui sont des hommes d'État, ils ont même tout ressenti touché par la déclaration. C'est dans ce sens ça, ils ont demandé pour inviter un ensemble de ministres accompagnés de cadeaux, venir dire eux-mêmes tout comme autorité de l'État, comment recevoir une déclaration comme ça. Et comment l'État d'Haïti vraiment positionné face à une telle déclaration. Pour ça, on peut vraiment saluer la présence du ministre de la Santé publique là, qui est avec nous, le ministre de l'Environnement, le ministre des Travaux publics là, qui c'est lui-même qui chapeautait DINEPA en particulier, et un ensemble d'autres cadres qui est avec nous dans la salle. Sur ce, je vais passer la parole à député Sinal Bertrand. C'est un peu député Sinal Bertrand, je vous dis un peu, mais député Sinal Bertrand, c'est une parmi collègues députés qui sont très touchés par la décision ça.
ou de déclaration ça. Pour ça, m'a permettre collègue Sina Bertrand faire mise en contexte raison qui fait nous réunir là et nous réunir parce que l'exécutif là il doit travailler de commun accord et de travailler tout le temps avec législatif. Avec Dinepa, ça devient que nous connaissons l'environnement rapidement, profondément, lui intéressé à un genre de question ça. Nous sommes aujourd'hui dans la fonction de contrôle pour nous connaître est-ce qu'il y a des enquêtes qui étaient faites, des tests qui étaient faits, parce que nous, même dans la Chambre des députés, on a à peine voté une loi là sur la protection des consommateurs. Bien qu'il faut qu'on vote dans le Sénat, vote publié, mais directement, députés et qui sa population a plongé, qui sa boue, etc.